Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir être confirmée à la hausse puisqu'après la réintégration d'hier, eh bien nous sommes ici sur un test en continu ici de cette zone de support oblique et nous sommes même venus ici dans la matinée eh bien chercher la zone ici des 5083 points, qui constitue le plus haut significatif de cette dynamique ici haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une dynamique court terme ici qui reste haussière. Le MACD repasse dans sa zone supérieure d'évolution et le RSI reste neutre lui par contre. Donc à ce stade, on reste ici dans une configuration haussière. Depuis hier, donc les 5052 points semblent bien s'imposer en tant que support. On est venu tester ici la zone de points hauts à 5083. Si au cours de la journée, on arrive à préserver ici ce support oblique et à casser à la hausse ce niveau horizontal, eh bien, le signal de continuité de la dynamique haussière sera préservé. Par contre, si les cours venaient désormais à casser ici cette zone des 5052 points, ce qu'il faudrait surveiller, c'est éventuellement ici une configuration à devenir en double top qui pourrait se matérialiser, auquel cas ça serait ici cette zone de point bas qu'il faudrait surveiller, qui nous donnerait un signal de retournement majeur, hein, puisqu'en cas de rupture eh bien, de cette zone, le double top aurait énormément de probabilité d'être confirmé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront donnés à 10h30 du côté de l'Angleterre. Et puis cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons là aussi les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 14h30, ainsi que des chiffres de l'immobilier. Puis à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut qui seront dévoilés. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.